Wow. Go again. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, ici Retard Fouals. J'espère que vous allez bien. Alors oui, je suis en retard, comme d'habitude. Parce que les 7h30, j'ai du mal à gérer, mais bon, après c'est moi, c'est normal. Mais j'ai une bonne excuse, parce que je suis allé chercher un colis que j'attendais depuis une semaine. Et ce colis, attention, les yeux. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour voir ce qui va arriver. Et non, c'est pas un fuck. C'est la First Hellfest. Magnifique. Un magnifique First Hellfest avec le petit logo du Hellfest et tout. Magnifique. Par Cloud Vapor. Petite cigarette électronique spéciale Hellfest. Voilà, faute de pas y avoir pu assister. En plus, ils vendaient ça sur place, quoi. Ils vendaient ça sur place. Et c'est sur le site Le Petit Vapoteur. Code FOILS30, vous aurez moins de 30% de réduction. Non, je rigole. Je suis absolument pas sponsor. Et il y a la First LPV Hellfest, édition Hellfest. 30 balles, cette merde, mais c'est collector. Et c'est sympa, et tu fumes style Hellfest. Et ça marche super bien. Ça marche super bien. Les First LPV, ça marche super bien. J'en ai déjà une. Donc ça, c'est le modèle de base. Le modèle classique et tout pipou. Et normal. Et puis après, vous avez le modèle Hellfest. Hellfest, voilà. C'est exactement les mêmes, hein, sauf il y a juste le Hellfest dessus, quoi. Je suis victime du merchandising. Aïe, aïe, aïe. Mais en même temps, elle est trop belle. Elle est trop belle. Donc voilà, c'est pour ça que... je conclue cette parenthèse. Cette parenthèse gotesque. C'est le goat. Ah putain, je sais pas où les mettre. Pas qu'elle tombe. Il va y avoir une émulsion de sel aujourd'hui. Ça va être supra salé, j'ai pas envie de les faire tomber. J'ai pas envie qu'elles tombent. Donc voilà, donc c'est pour ça. Excusez mon retard, excusez-moi. Excusez-moi du peu. J'ai reçu aussi un appel. Attendez, je vais juste écouter. Parce que du coup. Ouais, j'ai la pause. Un coup de fil, 2 secondes. Excusez-moi, c'est ma grand-mère. Clac!
Elle me félicitait pour mon bac. J'ai eu il y a plus de 10 ans. Félicitations pour ton bac. Ah là là. Le bac à légumes. Tu as eu ton bac à légumes. Félicitations. Tu es extraordinaire. Je sais, en même temps, c'est normal. Normal, hein, c'est moi. Oh ! Ce bruit ! Ce bruit ! Ça présage rien de bon. Ce bruit qui présage du sel. Alors on est là, c'est vrai, on était là. On est à bloc d'âme. Mais je pouvais pas faire monter ma mes trucs parce que j'ai pas de muguet mes couilles. C'est trop nu le muguet. Muguet mortifère, blablabla. J'ai pas de muguet fantomatique. Alors je ne sais pas où je peux en trouver du muguet fantomatique. Je pense que c'est dans à Necrolimb. Je pense que ça doit être dans les cimetières de Necrolimb. On va essayer de chercher du muguet mortifère. Il faut qu'on crafte aussi des... de la potion. Pour pas être empoisonné. Alors, est-ce qu'il y a un cimetière par là? On va ici. Je ne sais pas trop où aller. À vrai dire, je ne sais pas trop où me rendre. Canne à sucre. Il y en a qui l'appellent cannabis, moi je l'appelle canne à sucre. On va chercher du muguet mortifère. Je sais pas ce qui se passe, mais... Aïe! Hop là, voilà. C'est bon, on va se calmer. Bon, en plus j'ai vraiment joué comme une grosse merde. C'est ça que je suis absolument pas inquiet. Ni inquiété, moi tout ce que je veux c'est du muguet mortifère. Je cherche du muguet mortifère. J'aimerais trouver cette denrée rare. Et prendre un petit peu de compo pour justement préparer de la potion anti-poison. Ça, c'est le fameux colisée. Alors ça aussi, les colisées, ça c'est un grand mystère. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Parce que c'est très joli, mais on ne peut pas rentrer dedans. À part leur parler à eux, là. Je demandais qu'à me battre comme un guerrier jusqu'à mon dernier souffle. Pourquoi, aux grâces dorées, cette porte refuse-t-elle de s'ouvrir? Je sais jamais. C'est la technique de Dante. Oh, s'il y a un verre. Attends, s'il y a un verre. Ça veut dire qu'il y a une geôle pas loin. Peut-être là-haut. Ah si, une geôle là, ça va m'intéresser. Ah non, c'est lui là. Il est nul.
Je l'appelle Jackie, c'est Jackie le géant là. Il est un peu nul. On va se reposer. Oh, qu'est-ce qui se passe? Homme doré. Il y avait un PNJ là. Ah, c'est pas la blonde. C'est pas la blondasse qui est partie. Ça, ça pue très facile. Putréfaction écarlate. Les objets. J'ai pas de... Ça, c'est la putréfaction. Alors, c'est pas la putréfaction, c'est le poison. C'est le poison. Alors, le poison. Un marchand. Donc, le couturier. Trop le sorcier. Vieillard de l'augure des dents en fou. Chevalier. Célène la sorcière. Ah oui, c'est. Marchand nomade. Les ébardis, let's go. Allez, les ébardis, on y va. Voilà, moi c'est ce que je veux. Ce que je veux, c'est un marchand nomade pour qu'il puisse me renseigner sur d'éventuelles possibilités. Alors toi mon gars. Oh! Oh! Il m'a même pas mis un dégât, mais il m'a repoussé. Ouais. Il m'a envoyé à perdre des olives. Ça va, ouais. Non, mais tranquille, Emile. Tranquillou, Jean-Michemouche. Ah, cimetière, parfait. Monsieur le marchand. Oui. C'est pas ce que je veux, renforce les armes et t'offre le répertoire d'artisanat. Ouais, non, mais je l'ai déjà pris ton truc. Hein. T'as rien d'intéressant, hein. Ben non, y'a rien qui me convient. Hein. Sinon, je t'aurais acheté des trucs, du gland. Mais t'as rien qui m'intéresse. J'aimerais, c'est. J'aimerais des potions, justement, pour. Éviter le poison. C'est de la Flora Mundi, ça. Oh, oh la longe. Voilà, hop là. Encore. Ah putain, c'est vrai qu'ils reviennent à la vie, c'est con là. Ça par contre, on l'a pas fait ça. Qu'est-ce que c'est que ça?
Personne pathétique droit devant. Oh merde alors. Alors où est-ce qu'on pourrait acheter de l'anti-poison ? Ça pourrait être pas mal. Voilà, évidemment. L'anti-poison, l'anti-poison, l'anti-poison. Ou sinon après, on peut faire... Bon, déjà on peut voir si on peut... Est-ce qu'on peut grimper de niveau? Non, putain, 12 000. Ça me ferait chier de perdre les 12 000. Hein. Ça me ferait grave chier de les perdre. Après, si on les perd, on les perd. Hein. C'est comme ça. Oh, il y a les gros moustiques! Il va se suicider. Voilà, ça c'est fait. Saloperie de moustique. Sinon, on va aller buter quelques dragons, hein. Comme ça me fait du XP. Là, j'ai bien envie de me les faire là, les gargouilles, mais de vous à moi, j'ai peur. J'ai peur que ça se passe mal. C'est Radan. Ouais. Le tertre des dragons. J'ai peur que ça se passe très mal. J'ai peur que ça se passera très mal. Spoiler alert, ça se passera très mal, mais. Oui, je veux les matériaux. La Flora Mundi spanée. J'entends des gazouilles, j'entends un boum boum boum, des gros boum boum. En même temps, c'est normal, c'est un théâtre draconique. Je ne sais pas où ils sont. Ah, bah c'est, ils sont en bas. C'est vrai. Et on avait fait le boss là. L'espèce de boss, on l'avait fait. Franchement putain c'est les dragons c'est cadeau quoi.
C'est cadeau, les dragons, c'est cadeau. Ah, c'est du gros cadeau, quoi. Il n'y a aucun défi, quoi. Ça, c'est le dragon, il n'y a aucun défi. Hein. Là, bam. Voilà. Faut juste faire attention à l'ordre d'attaque, mais après le reste. Voilà, hop là, les deux. Aïe! Ouais, bah ils font mal, c'est vrai, ils font mal. Ils mettent des grosses tatanes. Quand ils mettent des tatanes, ils mettent des tatanes. On est d'accord. Voilà. Ouais, hop, ça c'est fait. Voilà. Ah, les dragons du tertre draconique. Ouais, c'est... Ah, c'est de l'XP, hein. C'est de l'XP facile. C'est de l'XP complètement facile et gratuite. Alors, où est le... Bah, je l'ai fait, hein. Comme je veux monter de niveau. Alors, comme je veux monter de niveau, moi, je veux me les faire. Je veux pas perdre toutes mes âmes là. C'est admiré, oh admiré. Ces gros dragons faits en peau de cabinet. Hop là. Ouais. Bam. Énervé. Et bam, dans son œil. Mais oui, je suis mieux. Je suis comme une paire de couilles, je suis toujours mieux. Allez. Voilà, montre ta sale gueule. Et voilà. Ah bah problème réglé. C'est ça qu'on fait. Et bonsoir Dante, et merci pour ton raid. L'alerte n'est pas encore arrivée. L'alerte qui est en PLS. Dans la cause, ça va à peu près. Ça va à peu près comme d'hab. Hein. Voilà, hop là, ferme ta bouche. T'as donné les mouches. Non, je voulais les mettre dans son œil. Ah. T'inquiète, elle est dans le RERC, elle devrait pas tarder. Ouais, non mais ouais. Elle est en retard comme d'habitude. Hein. Comment s'est passé ton live sur Dark Souls 2? Comment ça s'est passé? C'est toujours un plaisir de te voir jouer à Dark Souls. Vraiment. Enfin, moi personnellement, je me régale. Mieux que hier. Ah, bon, tant mieux.
Franchement, c'est toujours un régal de te voir jouer à Dark Souls. Hop là, tiens, prends ça, prends des boulettes dans la gueule. Tu as compris comment fonctionnent les roulades et c'est bon. Voilà, hop là. Et bam, dans le œil. On a fini le jeu avant l'heure. Quand tu as fini le jeu ? Non, c'est pas possible. Hein. T'as pas fini le jeu. T'as pas fini Dark Souls. C'est pas possible. Tu ne l'as pas terminé. Non, ah, ça m'a fait peur. J'ai genre, non ! Non, parce que c'est un moment super agréable. Pas agréable, peut-être pas pour toi, mais enfin bon, moi je me régale perso. Moi c'est agréable, tu vois, jouer à Dark Souls, c'est un régal parce que franchement, on profite du jeu sans l'émulsion de sel parce que c'est pas nous qui le faisons, bien évidemment. Mais il y a du beau gameplay derrière. Il y a du beau gameplay. Tu vois, c'est ça qui est vachement intéressant. Monter de niveau, est-ce que je peux monter ? Quoi ? Je peux toujours pas monter de niveau, putain, c'est pas vrai. Ah là 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 là, on va encore farmer des dragons. Hein. J'ai pas des petites boulettes là ? Si, j'ai des petites boulettes. Hein. On va utiliser les boulettes. T'inquiète, Dark Souls 3, Sekiro et Elden Ring de prévu. Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool. Tu vois, Elden Ring, je serais curieux de le voir, même si ça va me spoiler la gueule. Et Bloodborne, si t'as jamais vu. J'ai vu un petit peu de Bloodborne. Mais Ah bah voilà, tiens, quand on parle de l'alerte, incroyable, l'alerte qui descend du RERC. J'ai vu un petit peu de Bloodborne, mais Bloodborne il est toujours pas sur PC, non, il est toujours Après Bloodborne, on a fait un petit peu sur le D-Make. la fameuse alerte. Ouais, non, il est toujours pas. Ah, ils font chier ça aussi, hein. Oh, tais-toi! Tais-toi, le gros dragon là! Voilà. Mais c'est offert quoi! Ça, ces ennemis sont offerts! C'est abusé! Merde! C'est complètement abusé! Là, je les trouve complètement offerts. C'est un truc de fou. Les dragons, c'est des sacs à XP. Mais de l'XP gratuit, quoi. C'est vraiment gratuit. Je fais la bouffe pendant que tu farmes un peu. Je revis. Quoi. Ça roule. C'est moi, c'est de l'XP facile, quoi. C'est un truc de fou. Ça rapporte 3000 d'XP, normal. Et c'est pas des mobs. Alors, c'est des mobs qui t'envoient des grosses tatanes. Ça, ok, je suis d'accord. Mais quand même, bien quand tu sais les gérer, pouah, c'est bon, c'est 36-17, XP à gogo. Regarde, hop là, boum. Voilà. Hop, on se positionne. On va lui mettre des petites savates comme ça, petites savates dans la gueule. Ah, j'aurais pu l'attaquer avec l'épée, mais j'ai pas envie, j'ai envie de faire un petit peu de sort là, histoire de lui jeter des petites boulettes. Aïe ! Voilà. Ça c'est cadeau, par contre ils ont une grosse allonge. Voilà. Tac, dans son œil. Oh la vache, le gag, aïe, 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 aïe. J'étais pas ping. Voilà. Et voilà. Oh putain, mais putain là. Le cadeau quoi, le cadeau. Non, mais moi ça me gêne, franchement ça me gêne. Je suis pas bon. Je suis pas un bon. Je suis pas un bon joueur. Et ça me gêne de les niquer comme ça en fait. Parce que je me sens vraiment imposteur en fait. Je me sens imposteur.
Je me sens comme dans Among Us en fait. Là je me dis merde, j'ai aucune légitimité quoi. Je suis vraiment le gueux parmi les gueux. Et je me farme du dragon normal. Qui suis-je pour farmer du dragon? Salut, ça fait quoi encore? Bah en fait j'ai farmé du dragon. Mais c'est tellement facile, je les trouve tellement faciles là, ces dragons du tertre draconique occidental. Je me sens sale. Je les trouve tellement nuls. Puis, attends, je suis tellement nul que je me perds. En plus, je me perds sur la map et je me sens sale. Je me sens tout sale. Je me sens vraiment, c'est le syndrome de l'imposteur. Dire merde, qui suis-je pour aller farmer des dragons, quoi? C'est ça, c'est qui suis-je pour aller farmer du dragon, s'il te plaît. Je me sens vraiment sale. C'est très sale, je me sens sale. Bah, je suis tout sale. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met de la vigueur? Est-ce qu'on mettrait de la vigueur? T'as tué le gros dragon? J'en ai tué quelques-uns. Là, les gros dragons du tertre draconique. Après, oui, le gros dragon, je l'ai fait. Où en fait, il faut d'abord tuer plein de petits dragons parce que ça alimente le gros dragon. Ouais, le blanc, ouais, c'est fait. C'est fait, on l'avait fait l'autre fois. C'est pas mal, c'était sympa aussi. J'ai pas trouvé ça. Enfin, il est quand même difficile, hein. Enfin, il est difficile. Il a une strat. Mais je veux dire, je suis pas mort. Je suis en mode, bon, bah, c'est un dragon, quoi, en fait. C'est un dragon. Hein. C'est en mode, bon, bah, c'est encore un dragon, quoi. Voilà quoi, j'ai dit merde, je pensais que ça allait être vachement plus difficile en fait. Et bah c'est un dragon. Sauf que je gagne pas de PV, je vais faire ça. J'ai envie de gagner un petit peu de PV. J'ai envie d'être en 1081. Merde, oui, je veux dépenser 29 000 runes. Voilà, comme ça, là, il me reste pas beaucoup. Quoi. Je vais aller boire. Je vais chercher la bouteille d'eau. J'ai soif. J'ai très soif. Pour farmer du dragon. Ah. Hop là. Voilà. Alors par contre, ce que j'aimerais, c'est trouver un marchand qui vende des potions. Vous savez, des potions anti-poison. Et ça, ces marchands de potions anti-poison, je ne les trouve pas. Alors peut-être que c'est ici en Kaelid, peut-être, je sais pas. Marchand ascétique. C'est le marchand ascétique, je sais pas. Monsieur le marchand ascétique, où êtes-vous? Où est-il? Le marchand ascétique. Comment il est là? Bah. Oh là, il y a ces merdas, ça. Je les aime pas, ces merdas, ça. Ah! Je les aime pas ces merdes. À juste titre, hein. Je les aime pas. Hein. Je les aime pas ces grosses merdasses. Bon, le marchand ascétique n'est pas là. Alors, il s'est fait bouffer par la grosse merdasse. Faut croire qu'il a dû... Ah, mais il est là, ce con! Quoi? Mais t'étais à côté, mon gueule. C'est moi qui suis un vrai mongol. Ah, je suis allé me faire croquer le cul là par ces merdasses alors que le marchand était juste à côté. Ouh, mais quel mongol. Mongol, foil. Pop. Alors il était pas là.
Je voudrais de la potion, s'il te plaît. Ambular, mais qu'on fait un effet un petit dragon. Non, matériau, ça va fabriquer des objets. Les pots rituels, non plus. Cest à point, non. Note, les notes, non. Les jambières, truc, le stuff de samouraï. Ah, ça, c'est pas mal, ça. La branche sacrificielle. Have a safe journey. Have a safe journey. It's journey. Non, ça, c'est gaulerie. Là, on est un marchand nomade. Alors, on va essayer de voir, parce que moi, ce que je cherche, c'est vraiment un vendeur de potions qui permet justement d'accentuer notre résistance, d'accentuer, de résister au poison. Je vais rester au poison sur ces putains de gargouilles de merde. Ah, mais merde. Je me suis trompé, j'ai mis ce clic. Parce que j'aimerais bien tenter là, les gargouilles de cul. Mais avec de la résistance au poison. Ça, j'avais pas acheté. Oh, j'ai plus de sous. Alors. Au revoir. Fabrication d'objets. Donc le poison, non c'est ça, c'est non, ça c'est la putréfaction écarlate. C'est pas ça, la putréfaction écarlate, c'est pas ça. Du larme, nania. C'est des poids lancés, moi je veux un consommable en fait. Est-ce que ça existe ce consommable ? Permet justement de... Comme ça je vais pas en fabriquer. Est-ce que je peux en mettre ? Est-ce que j'en ai déjà ? Est-ce que j'ai des bouboules ? Ah ben j'en ai des boulettes antidotes ! Ah mais que je suis con ! Moi c'est ça que je voulais en fait, c'est-à-dire je vais crafter ça. Bon, on en a. Maintenant, vous savez quoi? Ça nous mène à... Ah ouais, ça nous mène à l'autre côté. Voilà, on va y aller. On va y aller, let's go. Voilà. Faut faire gaffe, on sait qu'on a des petites merdouilles qui vont nous attendre. Donc lui, il nous voit pas, il nous a pas vu. Je crois que c'est là-bas. Ah, c'est ça, c'est là. Encre cruel de coffre, hein. Non mais il y a un coffre là. Voilà, c'est là. Are you ready for the party? Let's pray.
Comment je fais pour... Ouais, c'est l'équipement, là. Je me rappelle plus. Je commençais déjà à paniquer. J'avais la panique qui commence à monter. J'ai peur de prendre ça et de m'empoisonner en fait. Voilà, et là. On va essayer de le burn. On sait jamais. Pas de sel. On peut dire que tu sais manier la Batman. Pas de sel. Allez, D, celui qui sourit comme un mongol face à la mort. C'est mon boss le pire. C'est le Némésis. Comment ça, pas de sel? Rends l'argent. J'ai dit bien, j'ai essayé pas de sel, hein, mais on sait pertinemment comment ça va se terminer cette histoire. Hein, gargouille. On connaît les bails. Hein. Putain, le... Voilà la gargouille qui décide de se refus sur moi. Y'a pas assez de monde comme ça là, Janine. Merde. Ce soir là, il va y avoir son frangin qui va arriver. Voilà, ça y est. Où est-elle? Ah mais d'accord, j'avais ça. Merde, le bâtard sur le côté. Oh, c'est pas beau. J'ai raté un joli coup, quoi. Aïe. Déjà éliminé.
Voilà. Ah! Je l'avais. Vous voyez, pas de sel. Pourquoi salé? Pourquoi? Pourquoi tant de haine? Dommage, j'ai cru aussi. J'ai cru aussi, mais j'ai merdé, j'ai fait beaucoup de merde. Tu sais comment fonctionne l'agro? Pas trop. Ça par contre, pas trop. Pas trop. Pas trop trop, mais... Ah, j'ai failli croire. Si j'ai bien compris. Parce qu'à un moment donné, en fait, j'ai loupé. Si tu remarques bien, j'ai loupé à un moment donné. J'aurais pu lui mettre un coup. Sur la première gargouille, j'aurais pu lui mettre un coup. Un coup fatal, mais comme un con, j'étais pas. C'est le dernier qui tape qui a l'attention du boss. D'accord, putain, j'ai. Ah oui, je veux l'invoquer. Je veux invoquer Dédé. Ah. C'est bon, ça y est. Tu veux invoquer. Ah voilà, merci. Quand tu envoies des sorts, attends que le jeu soit tombé sur toi. D'accord. Donc là, voilà. Wow! Là, j'ai. Voilà, donc effectivement, ouais, c'est bien ça. Vache, ah pardon. Voilà, j'avais oublié d'appuyer deux fois. Je peux essayer de venir te filer un coup de main si tu veux, mais ça fait un bail. Bah écoute, avec plaisir, je dis pas non. Alors là, je dis pas non. Vraiment, je dis pas non. Putain, qu'est-ce que j'en chie avec ce boss. Qu'est-ce qui me casse les couilles. Mais là, on va essayer. Allez, viens. Voilà. Ok, c'est eux qui ont l'aggro. Là, c'est moi qui ai l'aggro. Ah mais si je peux lui mettre des petits coups, ça peut être pas mal aussi. Ah. Mais le temps le ah putain non. What non. Voilà.
l'autre, évidemment. Ah putain, bâtard. Oh. En fait, on a le mauvais réflexe en fait de faire l'esquive. Voilà, il y en a une de moins. Je savais que j'allais mourir d'empoisonnement. Et comme un con, je prends pas mes boules. J'ai pas le réflexe en fait de prendre mes bouboules d'antipoison. Je suis anormalement calme. Mais vous voyez, ça c'est tout le sel. C'est tout le sel. Parce qu'au final, ça sert à rien de s'énerver. Ça sert à rien de s'énerver. Mais je vous jure que j'essaie de pas m'énerver. J'essaie de pas m'énerver. C'est dur, je me contiens. Je me contiens parce que là... Bien. J'essaie vraiment de me contenir le plus possible. Voilà, on va se mettre en position. Mais je peux pas être empoisonné, j'ai pris des antipoisons. Je comprends pas trop en fait le... Normalement je peux pas être empoisonné, c'est pas possible. Oh merde! Trop loin. Attention, là, il y a l'autre. Il y a son frangin qui va se ramener. Et salut Mystérous! D'accord, je comprends mieux le... comment ça marche. Là, j'ai repris l'aggro. Attention, non! Je le savais. Le temps d'incantation du sort, c'est déjà trop tard.
Je comprends mieux l'effet des bouboules en fait, ça m'empêche d'être empoisonné. Je trouve que le son du jeu est fort, attends, je vais baisser un peu. Voilà, là ça doit être bon. Je comprends maintenant l'effet des bouboules. En fait, les bouboules, ça t'empêche d'être empoisonné. Ça t'empêche pas d'avoir le poison. Mais si tu as le poison, ça t'empêche de ne plus l'avoir. Là, ça t'empêche. Ça te lave le poison. Tu veux Didi allez, hop, je vais mettre Didi. J'ai pas mis Didi. Je comprends mieux certaines choses. Putain, c'est... Je pense qu'avec tout ce que... Avec tous les combats que j'ai pu mener contre... sur ces putains de gargouilles... Ah, j'arrive à comprendre. Je commence enfin à comprendre un petit peu des trucs, là, ça y est. Et bonsoir, Dante. Et salut, salut. Ça y est, je commence à réaliser certaines choses à force. Après plus de 20 morts, 20-30 morts sur ces putains de gargouilles... je commence à comprendre un petit peu 2-3 trucs. Oh la vache. Ah mais c'est hyper galère. De base t'as énormément de trucs à apprendre un petit peu dans tous les sens. Changer. Alors 2 secondes, je suis en train de poser ma marque devant la porte. Vas-y, alors là on va la mettre au milieu des escaliers. Alors j'essaie de retrouver les touches. Donc là c'est bon, il... Non mais t'as fait à lancer le boss, vas-y. Ouais, là je... Bah je suis mort. J'avais plus de boule. Ah j'avais plus de bouboule. Le temps que je comprenne j'avais plus de bouboule. je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Oh merde. Pour se rencontrer en multi. Oh merde, tu es mort 241 fois. Oui, je suis mort 241 fois, Mister Rouge. Je suis mort 242 fois. Il t'a one shot. Ah non, mais il m'a littéralement défoyé l'anus là. Attends, j'y couche, je vais enlever. Ça fait un bail que j'ai pas joué hein, par contre. Oh non, t'inquiète. Je sais même plus comment on met l'arme à deux mains. Ah merde. C'est. Attends que je te dise. De mémoire, il fallait maintenant. Merde. C'est ça, ouais. En fait, c'est triangle et R1, pardon. Et comme un con, j'ai lancé un sort, du coup, j'ai bouffé de la mana pour rien. Ah, mais j'ai testé 5 fois tout à l'heure et ça marchait pas. Pourquoi? Je sais pas. Ah, merde. Ah, parce que j'étais dans des zones pacifiques. Peut-être. Ah, bah oui, c'est pour ça. Ok. Alors lui, il est mort, comment il a fait? Ah, d'accord, il s'est suicidé. Okay. Ah, mais attends, alors... je vais mettre un chapeau quand même. Oh, je t'en prie. Tu peux jouer en multi, sérieux? Ouais, on peut jouer en multi. Petite coop, ouais. Où est mon fameux couvre-chef favori? Alors, on peut faire du multi, ouais. Alors, il faut que tu utilises... ouvre ton inventaire. Ouais. Oh, déjà, attends. Fais start et tu vas dans un multijoueur. AP, j'ai pas le jeu. Ah, merde. Multijoueur... alors... Je fais le remède des doigts crochus, c'est ça? Vous pouvez voir les marques d'invocation. Ça, c'est moi. C'est moi je l'ai posé et toi il faut que tu dises ce qu'il y a au-dessus, le remède. Oui, le remède des doigts crochus. Ah, le remède, pardon, oui. j'ai confondu avec le doigt crochu en dessous direct. Et ouais. En gros, quand tu es dans sur cette page-là, à droite, il faut que tu fasses Y pour ouvrir les paramètres. Et dans mot de passe multijoueur, tu mets frigo. Et dans mot de passe de groupe, dans le 1, tu mets frigo également en minuscule. Alors, multijoueur, donc je fais X, c'est ça? Paramètres, pardon. Mot de passe multijoueur, je mets frigo, c'est ça? Ouais. Ah, tu mets un frigo dans les deux premiers. Frigo, oui. Ok. En minuscule. Frigo. Okay. Et comme ça, tu verras que... Tu verras seulement les marques d'invocation de ceux qui ont les mêmes, de ceux qui ont mis frigo. Voilà, donc là j'ai fait frigo. Ok. Et là normalement tu devrais voir ma marque apparaître au milieu des escaliers si on attend un petit peu. Alors on attend un petit peu. Ah, sortant de Dark Souls 2, il est beau hein, Elden Ring. Ah, il est vachement beau. Dark Souls 2 a pas tant vieilli que ça. Il a un charme quand même, Dark Souls 2. Hein. Il a un certain charme. Hein. Je Interzone, je mets matchmaking ou pas?
Attends, t'as dit jeu interzone, moi j'ai quoi? Configuration. J'ai mis pas de matchmaking, désactivé, joue en ligne. Ok. Parce que je vois pas ta marque en fait. Ouais. Attends, je vais la reposer. Mais ça a toujours été un peu la galère pour trouver des... pour le multi dans tous les Souls. Trouver des frigos. T'as bien validé le frigo ? J'ai validé le frigo, ouais. Attends, multijoueur. Attends, je vais prendre un remède aussi. Juste au cas où. Ah, ça m'a effacé ma marque. Ah. Je la repose. Elles sont belles les marques dans ce jeu. Frigo, hein, c'est bon. Hein. Admirer souffrance, effectivement, oui, la souffrance. Meute, pourquoi? Admirer injustice, en bref, père, oui, c'est ça. Attends, j'essaie de la foutre peut-être en avant. Devant. Devant? Devant l'escalier ou devant la ouais. porte? Dans l'escalier, ouais. Devant l'escalier. Voilà. Au niveau de la flotte qui est en bas de l'escalier. Alors, au niveau de la flotte. Alors là, j'ai la flotte, et donc juste devant, entre la flotte et l'escalier. Non, dans le début de la flotte, voilà où t'es. Là où je suis. Ah, dans le début de la flotte. Ouais. Mais ça a l'air de bien fonctionner. Qui est devant l'escalier. Normalement, tu dois être en train de marcher dessus. Alors, clac. Multijoueur. On met des docks rochus. Ah, toucher la marque d'invocation dorée. Dante, invoquer cet allié. Oh, ah, bonjour. Ben voilà, ça y est. Oh, putain, elle est belle. Hein. Wow. Mais c'est la sève. Hein. Wow. Ah, mais c'est la sève. Oh, c'est la sève la nulle. Sève la gueuse. Sève la gueuse. Sève la de cuit. Non mais sève. C'est bien, on contraste tous les deux avec le skin. Oh putain, j'avoue. Allez, la gueuse. Doigt crochu, dente. Alors, attends, parce que je sais plus. Je peux invoquer des dés aussi ou pas? Si tu peux, bah si t'as la marque, oui. Mais si c'est comme dans les autres Souls, plus tu vas invoquer de gens et plus les bugs et plus c'est pas trop dur. Merde. Merde. De quoi? Merde, et plus les boss vont être durs. Oh, dur non, mais ils ont oui et non, ils auront juste plus de PV. Ils vont taper pareil, ah, merde. Etc. Après toi. Are you ready? Let's go. Yep. Du coup, moi je me retrouve avec beaucoup moins de comment on va travailler. Oh putain. Ils ont inversé toutes les touches avec les autres Souls. Allez, c'est parti. Waouh, la coop. La coop avec Save la gueuse. Wow. Est-ce que ça fonctionne? Wow. Par contre, on est en train de lui mettre tarif. Ah, ça marche pas? Ah, c'est parce que j'ai pas la bonne touche, d'accord. Bigone. Merde. Ah, par contre ça bouge beaucoup plus que les anciens sous. Ah bah oui. Let's go. Je vais prendre l'aggro sur l'autre et je l'éloigne. Aïe. Je me soigne. Viens là, petit. Non, je vois pas tes barres de PV, moi. Ah si, elle est en haut gauche. Ah oui, c'est vrai qu'effectivement, il a plus de PV, ouais. Aïe. C'est bon, on l'a eu. GG. Je te laisse envoyer toute la... La sainte patate. Ouais, bah bon, surtout les cailloux là qui tombent par terre. Aïe. Ouf.
Attends, on va essayer de juste de récupérer. C'est bon, j'ai récupéré l'aggro, soigne-toi. Putain, on se croirait dans World of Warcraft. J'ai récupéré l'aggro. Allez, taunt, taunt. Vas-y, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Ouais. Merde. PM. C'est bon. Vas-y. Mais j'ai pas de potion de mana. Ah non, j'avais mis sur une autre touche. Ah mais attends. Oh, houhou. Pas de panique. Je me heal. Ne paniquons pas. Je me remets une potion de mana. Et là, regarde ça un petit peu. Ah j'ai ouais. Tout c'était joli. Oui, c'est joli, c'est très joli. C'est joli, mais j'ai tout mis dans le vide. C'est ça, c'est beau, hein. Ouf. Ah, le bâtard. Tiens bon. C'est vrai qu'on peut faire des attaques sautées super facilement. Ouais. On découvre le jeu. Ah oui, non, ouais. Oh oui. Merci. Comment on fait pour faire des trucs là? Ah, fais espoir, t'es à droite. T'es disparu. Et voilà. Merci beaucoup, Fourier, je m'incline. Oh la vache. Avec grand plaisir. Oh ça, putain. Ah ouais. La suite de l'aventure. Je sais même pas s'il y a quelque chose de ouf derrière. Je crois que c'est juste t'as fini la zone et... Oh là 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 là, mais quelle zone. Oh, il y a un feu. Ah non, mais quelle zone. Je pense qu'on a... C'est le boss lequel j'ai le plus galéré jusqu'à présent. Bah il faut apprendre à gérer plusieurs boss en même temps. Ah, Radan tout ça, ça a été, mais là putain, mais lui, mon dieu, mais il m'a fait chier du sang quoi. Après à l'occasion. T'as un truc devant toi, je passe ta vue. Ouais, à l'occasion tu pourrais. Tiens d'ailleurs, y'a pas un Rani qui parle ici, je sais plus. Entrer dans le cercueil. Ouais. Je suis rentré dans le cercueil. À l'occasion, bah ça, par contre, faut attendre que tu finisses le jeu, mais si tu veux faire des souls ou quoi, on peut les faire à plusieurs. Avec plaisir, ouais. Ah ouais, avec plaisir. Les vieux souls, faut attendre qu'ils remettent le multi. Ouais. Les serveurs en ligne. Mais Dark Souls 3, etc., ça peut être faisable. Ah, ça peut être, bon, ça peut être vachement cool. Je ne t'embête pas plus. Et pas de soucis, merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Bonne fin de live. What? C'est quoi le cercueil là? I believe I can fly. On va laisser la cinématique. What? En tout cas, encore un grand merci Dante, parce que franchement, putain, là, ça m'a enlevé une épine. Mais c'est même pas une épine, c'est l'arbre du pied. On aurait pu, je pense que j'aurais encore galéré, j'aurais encore bien 5 voire 10 morts si j'aurais tenté solo. C'est un peu la misère, t'es toujours sur Didi, fais gaffe. Oh oui, j'attends la cinématique. J'attendais la fin de la cinématique. Mon clavier a fait des trucs chelous. Aïe aïe aïe. Le clavier possédé. On l'attaque. Alors Didi. Où es-tu Didi? Didi 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 Didou Doudou. Didi Doudou Doudou Didi. Voilà. On est plus sur le Didi. Alors, où sommes-nous? Ah ouais, donc là on peut se suicider. Ah il y a... Ok. Sommes à l'arrière de la ville. La grâce évanouie. On peut se reposer. Est-ce qu'on peut y EP? Normalement, non, on ne peut pas.
Par contre, fiole sacrée. Est-ce qu'on peut ajouter une dose? J'ai pas assez de graines dorées. Est-ce que je peux? Je n'ai pas de larme de vie. J'aurais essayé. Pourquoi il y a une effigie de Marika là? Ça me plaît pas. Il m'a vu. Je vois qu'il y a un truc là-bas. Oh non, on te laisse tranquille, monsieur. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, du muguet fantomatique. Ah, it's a trap. Ah. En même temps, c'est Dark Souls. C'est Dark Souls, c'est Elden Ring, quoi. Ça ne devrait même pas me surprendre, ce genre de choses. Je me dis peut-être que c'est un feu. Et pas du tout. C'était une grosse fourmisse. Mais il y a un truc là-bas, hein. Pierre de forge. Alors il faut que j'aille là-bas. Je suis encore dans la... Je suis encore dans la Siofra. Apparemment je suis toujours dans la Siofra. Oh, il y a des saloperies qui vont me faire tomber. Ça va, qu'on nous... ça, nous sommes mages. Je peux passer là? Il faut que je passe là-bas. Je passe là-bas. Non mais... Non mais non mais non mais sois pas con. Sois pas con. Là je l'ai fait pas gros. Sois pas plus con que con, Foils. Sois pas plus con que con. Péril, oh putain, bah si, en fait, t'es obligé de passer là-bas, en fait, voilà. Et c'est toi qui es con. N'empêche, cette session de multi sur Elden Ring a mis 20€ multi-switch malgré ta cause. C'est clair, mais c'est clair. NON. J'ai tenté des trucs. J'ai tenté. Je savais que ça allait pas passer. Je le savais. En fait, mon Golf Falls, il fallait passer par là. En fait, il fallait passer par là. Bonjour. Je suis le Mongol Falls, ça. Fallait passer là-bas. Voilà. Bonjour. Je suis le Mongol Falls. Ah.
Ah là, ça va clipper, putain. Là, vous allez clipper, vous allez vous régaler, parce que alors là, je sens que je vais faire des fails. Je vais faire des folies. Allez, les folies, c'est parti. Non. Ouf. Je voyais le moment où il allait faire le crit et patatrac, je glisse. et là voilà quoi. Voilà. Oh, le petit roux doudou là. Oh, c'est sûr que j'ai un ping. J'ai un point ping. Ah, j'ai pas de point ping. Bah si, j'ai un point de ping, mais où il ping? Où ping le point de ping? Ah, mais il a là le point de ping. On va l'enlever le point de ping, voilà. Parce que sinon, ça va me stresser. Ça va me stresser la gueule. Donc. False. Ça. Il y a un truc qui est mort. False, soit pas si... con... mais ne sois pas plus con que ce que tu n'es déjà. Analyse l'environnement. Voilà. Je déteste ces passages. Ça, c'est des passages dog-friendly, ça. Ça, c'est des passages où Doc, il se régale, parce que c'est de la plateforme. Je m'essuie les mains, parce que j'ai les mains en sueur. Et là... je décide, âme, de tracer comme un mongolien. YOLO! Ah oui! Ah oui! Une grâce évanouie, bonjour la vieille! Oh la vieille! Oh Seigneur Godwin! Quelle cruauté, quelle humiliation! Quel sac à merde! Pardon. Monseigneur adoré aurait dû pouvoir jouir d'une véritable mort. Lui, le premier demi-dieu à périr. Lui, martyr de la mort destinée. Pourquoi son nom est-il encore tant synonyme de disgrâce? Un rejeton de la branche dorée, condamné à la non-mort. Comment une telle chose s'est produite? Viens voir cette saloperie, là. Mets-moi la mouche à merde, là. T'es mal à mouche. T'es mal à mouche. Oh, Seigneur Godwin. C'est beau, hein. YOLO! Cool! La carte! C'est les profondeurs de fond de racine!
D'accord. Oh, ça n'en serait de bon, ça. Je suis un gros lâche. Je joue comme un gros lâche. J'essaie de découvrir un petit peu la zone. Comme d'habitude, on explore. Je vais essayer de trouver des... Ah, il y a un temple, d'accord. J'essaie de trouver des feux. Ah, j'allais dire ça nous propulse en l'air, mais après, nique sa mère, on descend comment? Ah, du muguet fantomatique. Nickel, on va pouvoir du coup améliorer nos invoques. Ça, c'est bien. Donc là, il y a le gros ding ding. Ça me dit pas où je dois aller, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Pop, 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 pop. Eh hey, oh 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 oh. Dès que les fers brillent en blanc, jette-toi dessus. Ah d'accord. Je pense qu'on n'est pas spécialement les bienvenus ici. Du muguet, ah, le fameux muguet. Ah putain, yes. Ah, merde. Allô. Allez, Nick. Nique les mobs. Je pense qu'il va falloir grimper. Je pense qu'il va falloir grimper, ouais. Ouais, bah c'est cool. Allez, du coup, on va améliorer tout ça et on va s'arrêter là, hein. Ça fait on avait prévu jusqu'à 21h. Je profite aussi pour... Je ferai après. Je remonterai après. Je suis tellement content, mais j'ai tellement galéré aussi pour l'avoir, cette saloperie. Je vous le montrerai après. Bonjour. Harmonisation spirituelle. Et voilà. Ah ouais, carrément, ouais. Oh, je suis en plus 6. Je suis en plus 6. Ouais, mon mimique, il est en plus 6. Alors là, mon mimique, il va rouler, mais alors... Il va rouler sur les ennemis. Tiens, vas-y, repose-toi. D'accord. Voilà, bah nickel, on va pouvoir du coup bien avancer dans le jeu, je suis content. Merci encore Dante hein, pour du coup merci beaucoup Dante pour nous avoir fait pour nous avoir permis d'avancer beaucoup du coup c'est vachement cool hein. Vachement cool, c'est vachement cool. Spoutifouille. Ah la musique, c'est grâce à la sève, c'est vrai. C'est grâce à la sève. Alors, je profite, parce que je suis arrivé un petit peu en retard. Grâce à ça, que je suis allé chercher la super cigarette électronique Hellfest. Regardez, ok. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est magnifique. La
First LPV Hellfest Cloud Vapor. Voilà, en fait, c'est sur le petit vapoteur. En fait, on a la First LPV, la First normale, et puis la First Hellfest. Regarde, magnifique. Magnifique, qui était en vente au Hellfest. Et puis bon, bah, faute d'y avoir pu y aller, bah, voilà, on fait venir le Hellfest à nous. Vachement cool. Vachement cool, vachement cool. Salut Turbloc, elle peut te redébloquer. Merci beaucoup. Merci, merci Sève Lagueuse. Du coup, pour le déblocage. Déblocage, mais alors, vraiment, dans les règles de l'art. Vraiment, c'était vraiment au poil, mais alors au poil de chez poil. Alors, vers qui je peux vous envoyer ce soir? Vers qui je peux vous envoyer? Qui est en live? Opéra se met souvent un jour, je trouve. Ah, bah on a Mauvaise Foi Man qui joue à Grand Dead. Ah, bon, on va aller le voir. On va vous envoyer chez Mauvaise Foi Man. Pardon, chez Doc Elec. Oups. Aïe, aïe, aïe. J'ai failli dévoiler l'identité secrète. Quoi qu'il arrive, nous on se retrouve non pas demain, parce que demain, le leak, pardon. On se retrouve pas demain, parce que demain c'est la pause. Demain c'est le jour où il n'y aura pas de live. Mais par contre, à 19h30, on se retrouvera jeudi pour les énigmes du Père Foils. Je vous ai préparé des tonnes et des tonnes d'énigmes. Et bien évidemment, vendredi, ce sera Fall Guy. Fall Guy avait des coupins. Et puis samedi, dimanche, peut-être des streams, voilà, peut-être des streams sauvages. Voilà, c'est vraiment... C'est vraiment au gré du moment, au gré de l'envie. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment comme ça. Alors, on va profiter un petit peu. Hein. Franchement, c'est un régal. Elle tire vachement mieux parce qu'autant celle-là, j'ai eu un peu plus de mal à tirer. Pourtant, c'est exactement les mêmes. Mais sauf que s'il n'y a pas Hellfest. Celle-là, putain, faut tirer. Ah, mais je crois qu'il n'y a plus de produit en plus. Ah! J'arrive pas à l'enlever. Il n'y a plus beaucoup de produits. Elle est toute sale. Elle est toute cracra. Il va falloir que je m'en occupe. En fait, c'est aimanté. En fait, ta tête est aimantée. Ah oh, putain, j'en ai foutu. Je m'en occupe plein les doigts. Du produit, hein. Du produit. Produit à clope. Produit à clope, bien évidemment. Ne soyez pas... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ah, moi, c'est dégueulasse. Il n'y a plus de résistance, plus de produit, plus de batterie. Faut tirer plus fort, c'est bizarre. Après, il n'y a peut-être plus de batterie aussi, mais... Non, je sais pas. Elle a un petit peu une fuite, celle-là. C'est dommage. On verra sur la first... du Hellfest. Mais non, je la trouve un peu mieux en termes d'aspirance, tout ça. Je la trouve vachement mieux. Alors que bon, c'est les mêmes, hein, mais quoi qu'il doit y avoir peut-être d'autres subtilités. Allez, trêve de bavardage. On va aller raid Doc Elec. Voilà, tlac, je vous envoie le tac. Et bien évidemment, le SO dentifrice qu'on remercie une fois de plus. Ah non, mais c'est la sœur! C'est la sœur qui débarque. Oh, boudin. Boudin. Qu'on remercie bien évidemment pour son aide plus que précieuse pour les gargouilles. Et allez, let's go chez Doc Elec. Je vous fais des tonnes et des tonnes de bisous. C'était Foils. À jeudi pour les énigmes du Père Foils. Let's go, chérie, j'ai rétréci la commu. Allez, ciao, ciao, la bise.